Elle est 7h50 en direct à suivre sur Grand Lille TV. Un mot hors de la politique pour finir ce journal avec quelques images de sport et le tournoi de Lille Beach Volley qui avait lieu ce week-end, place de la République. Depuis mercredi, en fait, les amateurs et le public ont pu tester ce sport et profiter des terrains librement tout au long de la semaine. Mais samedi et hier, dimanche, donc, on est passé aux choses sérieuses avec le tournoi international et la présence d'équipes de renom comme la France, le Danemark ou le Brésil, notamment des tournois masculins et féminins. Et notre journaliste Julie a profité d'un petit peu de soleil samedi après-midi pour interroger les joueuses de l'équipe de France féminine de beach volley. Je vous propose d'écouter leurs explications et réactions suite à ce tournoi organisé à Lille. Il y a un super plateau avec des joueuses de très haut niveau, donc c'est aussi l'occasion d'exprimer un bon beach volley, donc vraiment très content d'être ici. C'est l'occasion de jouer, de nous entraîner contre des super équipes, parce qu'ici on a un tableau avec trois équipes étrangères, donc ça nous permet de faire des matchs d'entraînement vraiment intéressants pour nous préparer pour la suite de notre parcours. Beach volley rime pas forcément avec soleil, d'ailleurs vous voyez bien qu'on joue quelles qu'en soient les conditions, à part s'il y a de l'orage, mais sinon on joue qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige.